La joie après la souffrance, le Christ est ressuscité, les chrétiens fêtent Pâques. Mais pour les enfants, c'est aussi et surtout le plaisir de la chasse aux œufs. Ce matin, les jardins d'un hôtel de Faa'a se sont remplis de petits chasseurs aux regards affûtés. Laura Shintou, Heyali Tahiyata. Ils sont verts et ils sont genre... En vrai, ils sont comme ça les œufs. Il fallait ouvrir l'œil ce matin dans le jardin de cet hôtel pour trouver son butin. La cinquantaine d'enfants participant à cette chasse aux œufs de Pâques a passé la végétation au crible. Ici, ce n'est pas la loi du plus fort qui prime, mais celle du plus rapide. Car en seulement quelques minutes, les sacs et paniers se sont remplis. Au début, j'en avais trouvé que 3. Je perdais un peu espoir. Je suis revenue sur mes pas et au final, j'en ai 11. Il y en a un qui était très beau. C'est pas très facile de trouver des œufs, mais on a fait de notre mieux. Donc, moi, j'ai récolté... 8 œufs, il y en a quelques-uns qui se sont trompés parce qu'ils sont allés chez les petits, donc ils ont plus d'œufs que nous. C'était quoi la stratégie aujourd'hui avec vos enfants pour trouver les œufs ? De se dépêcher, d'arriver en premier et d'essayer de trouver les œufs le plus vite possible. C'était facile, c'était bien caché. C'était bien caché, ouais, c'est pas facile. Puis il y a beaucoup d'enfants. C'est ça. Beaucoup de compétition, voilà. À chacun sa technique. Certains ont fait le tour du jardin, d'autres ont préféré se concentrer sur de petites parcelles. Je regardais beaucoup dans les plantes parce que dans chaque plante, il y a 3. Ouais. Quelle couleur ? C'est facile de les voir ? Ouais, c'est blanc et il y en a, c'est jaune, vert. C'était facile de trouver quand même ? Oui. Je suis venue avec mon petit-fils de 2 ans et demi. Alors la chasse a été bonne pour lui ? Très bonne. 20. Comment il a fait pour trouver autant de... Il a été chercher dans les fleurs. Tu l'as aidé ? Pas du tout. Il est assez grand pour aller chercher. Et là, on redistribue les œufs. Cela fait plusieurs années que l'hôtel met en place cet événement pour Pâques. Les organisateurs savent maintenant comment éviter quelconque tricherie. On cache les œufs dans les jardins un petit quart d'heure avant que les enfants commencent à chercher. On y met un petit peu de... On fait en sorte que personne ne puisse prendre les œufs entre temps, parce que s'il y a un petit malin qui essaye de prendre les œufs alors qu'ils sont déjà cachés avant que tout le monde arrive... À la fin, place à la récompense, les enfants ont échangé les œufs ramassés contre des vrais œufs en chocolat. De quoi passer une journée gourmande en ce dimanche de Pâques. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.